Ok, pour le départ, attention. Top, ça coupe. Ouais. Un mètre mordu. Attention sur la ligne. Mordu. Alors, ok pour le bonhomme, mais par contre, trois quarts du bateau mordu. Allez, pareil, jusqu'en milieu de ligne, et vous coupez en milieu de ligne en levant la main pour dire l'étrave coupe. Ça se relève. Maintenant. Ok, très bien, parfait. Là, c'était bon. L'étrave pile au moment où la main était levée, impeccable. Bon repère. Allez, pareil, 73, 13. Enlevez le foc à côte, partez en bâbord et dites-nous quand est-ce qu'il est... vous coupez la ligne en bâbord. Allez. Coupez la bâbord, c'est pas grave. Vous êtes censé avoir un repère de ligne. Partez au pré. Bâbord si vous voulez. Alors, ok, 2000 longueurs dessous. Remonte encore, je vais te dire l'étrave. 1 mètre, 50, top, maintenant. Voilà. Ok. Donc là, pareil, 39,83. Dès que vous coupez la ligne, vous levez la main. Alors, Franck, si tu lèves, tu es complètement en dessous. La jaune. Voilà. Coupez la main là-bas. En dessous, 57,10. Plus d'une longueur en dessous. Encore. 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 Demi-longueur. 1 mètre. 50. Top départ. Pareil pour Franck. Demi-longueur. 1 mètre. Top départ. Donc pareil, quand l'étrave franchit la ligne, vous levez la main. En dessous, 76,46, complètement en dessous, encore une longueur. Demi-longueur. En dessous, une longueur. Top départ pour 76,46. 8003, une longueur en dessous. Encore. Demi-longueur en dessous. Non, encore demi-longueur en dessous. Top départ pour le 8003, maintenant. Allez, Antoine, à toi. Tu lèves la main quand ton étrave franchit la ligne. Ok, très bien. Top départ, c'est parti. C'est parti là. Allez, pareil. Quand tu estimes, tu me lèves la main.
Ok, un tout petit peu en retard, à peu près 2 mètres en retard.